Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Alors, je viens pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Comment avez-vous réveillonné? J'espère très bien. Voyez-vous, nous sommes là en 2024 et je suis là aussi. Et je suis très contente et je remercie le Tout-Puissant pour cette chance que nous avons, pour cette opportunité que nous avons de pouvoir commencer l'année et de pouvoir être encore de ce monde, car beaucoup sont partis. Paix à leur âme. Et comme nous sommes vivants, nous devons fêter et nous devons être heureux et nous pouvons se sentir vraiment chanceux d'être là encore en 2024. Je vous souhaite tout ce que votre cœur désire. Je vous souhaite les choses les plus merveilleuses qui existent pour que vous réalisiez tous vos voeux, pour que vous vous épanouissiez encore mieux pour les années à venir. N'hésitez pas de toujours garder le smiley, d'être heureux, car c'est ce que l'on ne peut pas vous retirer. Alors, en cette année, je vais vous accompagner tout au long avec le titre Même pas peur. Pourquoi même pas peur? Ce titre, je l'ai composé il y a quelques années, 3-4 ans après. Il est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses dans le monde qui permettent toujours qu'on puisse toujours crier haut et fort le ras-le-bol. Alors, même pas peur pour tout ce qui s'est passé en 2023, même pas peur pour tous les décrets pour pouvoir discriminer les êtres humains, même pas peur, voyez-vous, on vit qu'une seule fois, ne nous retirez pas notre joie de vivre, ne nous retirez pas notre bonheur, ne nous retirez pas notre existence. Au quotidien, nous avons des informations qui nous sapent le moral, nous avons l'économie qui est difficile, l'inflation qui frappe tout le monde de plein poche. Et aussi, toutes ces informations, ces décrets qui tombent comme des boules de massue sur nos crânes, sur nos cerveaux et qu'on n'arrive plus à respirer. Alors cette année, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à faire. Mais nous, les gens du peuple, nous allons vous dire même pas peur de pouvoir subir. Mais on va toujours continuer à travailler dur pour avancer, la tête haute. C'est comme ça qu'on est, voilà. On va être parmi les vaillants. Nous serons parmi ceux qui tombent et retombent. Nous allons nous relever autant de fois que nous allons tomber. Même pas peur. Cette année, pour moi, c'est une année où je dis même pas peur. On nous a tellement fait peur depuis des années. On nous a tellement collé des étiquettes. On nous a tellement fatigués. On nous a tellement rabaissés. On nous a tellement écrasés. On nous a tellement détruits qu'aujourd'hui, en 2024, je le dis même pas peur. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de nos peurs pour nous faire peur. Ils se servent de nos craintes pour nous effrayer. Ils se servent des choses qui comptent pour nous priver de tout ça. Il faut déplacer le problème, ne pas voir où se trouve le véritable problème, accuser l'étranger. Et l'étranger n'est pas que les Africains. L'étranger, c'est l'Espagnol. L'étranger, c'est l'Italien. L'étranger, c'est le Mexicain qui est en France. C'est l'Anglais qui est en France. Alors, mais très souvent, on a l'impression que l'étranger, ce n'est que les Africains. On va casser la tête, on va casser le sucre. Bref, même pas peur, même pas peur. On est toujours vaillant, la tête haute, on va avancer. Et quand je dis « on », il s'agit des êtres humains, de tous les êtres humains qui subissent de par le monde, toutes ces politiques, toutes ces restrictions, toutes ces guerres. Alors, cette année, en 2024, j'ai envie de vous dire, on a la chance d'être là. On doit exister. On doit faire partie de ceux qui vont marcher la tête haute, qui vont travailler la tête haute, qui vont aboutir la tête haute, qui vont tomber et retomber et se lever autant de fois qu'ils tomberont. Voilà pour moi le message que j'ai envie de vous passer en cette nouvelle année. Même pas peur. On va avancer, on va réussir. Voilà. Encore meilleurs vœux et puis très bonne année. Bonne année à vous.